Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que Yubi il est en train de dormir. On est lundi aujourd'hui, il est 6h30 là. Je suis réveillée depuis 5h30, je me suis couchée à 3h. Donc je vous laisse imaginer la suite de la journée. Elle va être très longue et je pense que je vais être fatiguée, mais j'arrive plus à dormir. Donc je me suis réveillée, voilà. Je me suis posée dans le salon, j'ai snappé un petit peu, j'ai répondu à vos commentaires, tout ça tranquillement. Et puis notre avion l'a à 17h, donc ça va. Franchement, ça va, on l'a en fin d'après-midi, donc c'est cool. On a encore toute la journée, toute la matinée pour faire ce qu'on a à faire. Ayoub aujourd'hui il a des papiers à aller faire avant d'y aller, parce qu'on s'est dit qu'on préfère partir en ayant l'esprit tranquille, en ayant tout fait ici, comme ça au moins on est tranquille là-bas. Oui, je suis bel et bien partir. Ah ouais, vive la France et les autres scènes. Je suis partie dormir un petit peu. Là, il est 10h15. Je suis dans le mal, mais vous savez pas à quel point j'ai mal au ventre. Oh, vous savez, j'ai comme un nœud au ventre. Je crois qu'en fait, c'est l'excitation. Je crois réellement que c'est ça parce que... Bah, je sais pas, il n'y a pas une autre raison en fait. Je pense que je suis tellement excitée par ce qui va se passer que bah, j'ai pas réussi à dormir, que je fais que de réfléchir, que je suis hyper contente. Donc je pense que c'est pour ça que je suis dans cet état. Donc là j'ai 2-3 trucs à faire, ça va être rapide. Je vais défroisser donc les affaires d'Ayoub, prendre les affaires qui sont ici. Ouais, c'est bon, ils sont secs, pour les mettre dans la valise et puis bah, finaliser ce qu'il reste à faire. Et voilà. Bon, et bien ce matin, je sais pas trop ce que je vais déjeuner. Je voulais prendre du citron, mais il en reste plus. Donc je pense que je vais prendre une compote. Il y a des avocats, mais j'ai pas très très faim en fait. Là, c'est vraiment pour enlever le creux, vous savez, qu'on a ici. Là, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien ce matin pour le coup. Donc, je vais juste prendre ça pour avoir un truc dans l'estomac. Et je voulais goûter ça, mais je pense pas que c'est le jour. C'est du lait de soja. Et en fait, Ayoub, il l'a pris. Je sais pourquoi, parce qu'il y a écrit vitamine D. Et comme vous savez, je suis en sous-carence de vitamine D, donc c'est pour ça qu'il l'a pris. Mais je le goûterai la prochaine fois. Donc là, bon, je vais me contenter d'une petite compote, voilà. Et puis j'ai passé un coup de balai de partout, j'ai rangé de ce côté-là. Et là, j'ai mis le défroisseur là, juste là-bas à charger. J'ai rempli l'eau, enfin j'ai rempli plutôt le défroisseur avec de l'eau et puis ben voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Ayoub, on se posera tranquillement pour leur parler de notre galère. La grosse galère. Ah de ouf. Vous allez pas être prêts. Il y a encore là, on sait pas si ça va. Ouais, grave. Si le vol va partir ou pas encore. Ça va même? Non, pas du grosse tout. Galère. Oh, j'ai paniqué très, de très ouf. En fait le truc c'est quoi? C'est qu'on a réservé avec la minute. C'est ça. Et j'ai fait une grosse gaffe, j'ai rentré deux fois les mêmes noms. Ouais. Donc j'ai rentré deux fois le nom du même. Et le truc c'est que je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand je faisais le check-in en ligne. Et ouais, il y avait le billet électronique qui avait marqué deux fois le même nom. Donc après j'ai appelé last minute, on était dans la voiture. Hein. Ouais, juste 5 minutes avant les termes parce qu'il fallait 2 heures avant. Avant toute modification sur le billet, il fallait 2 heures. Et nous, il nous restait 5 minutes top chrono. Ouais, 5 minutes top chrono. Donc on a fait last minute, impossible de les avoir. Donc on les a eu, ils ont dit non, on peut rien faire à notre niveau. Ouais. Après, on a rappelé Vueling, le temps est passé trop vite. Mais j'avais mon cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je me suis dit, ça y est, c'est mort, il n'y a pas de vol. Et après, avec Vueling, on a réussi enfin à faire les changements. Ouais. Donc on a payé 160 euros pour les changements du billet aller-retour. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, on arrive ici à l'aéroport, on est en retard. Grave. Trop de monde.
Et là je vois un pote à moi, il me dit ah you, oh, ça fait longtemps, c'est des câlins, tout ça. Et il me dit vas-y vas-y viens, je te fais passer devant tout le monde. Donc on passe devant tout le monde, les douanes, les trucs comme ça, tout ça. Ouais, non, pour le coup on a eu de la chance, pas de chance, mais ça va, ça a rattrapé le coup. Mais donc, voilà, là, on est en avance. C'est ça, on est en avance. Donc on va dire 160€ pour une minute d'inattention. Donc faites vraiment attention quand vous rentrez les prénoms des passagers, parce que ouais grave, de repli un billet. Non, je serais pas partie. Arrête. Je te jure que je serais pas partie. T'aurais pu faire le vol sans moi ? Non. T'aurais eu peur. Ouais. Non, mais je serais pas y aller. On aurait pris un billet, mais bon, faut faire vraiment attention parce que j'ai vraiment eu peur. Je parlais pas, j'avais juste mal au ventre. Moi aussi, au passage, j'ai croisé une abonnée. Je crois qu'on appelle des douanières. Non ? Bon, elle travaille dans la douane. Elle m'a regardée, elle m'a dit Toi, Imane Chanel ? Je dis Coucou. N'empêche, à vous, si on n'aurait pas pu y aller, t'aurais été dégoûtée. Ouais, de ouf. J'aurais pris un billet. Ouais. Ouais, grave. Oh, à cause de toi, là. Tu m'as fait peur. Ça va, Imane, pas trop fatigué? Hein? De... Attends, on recommence. Pas trop fatigué? Okay, si. J'ai faim aussi. T'as faim? Ouais. On va aller manger un petit bout là. On a une petite. On mangera une fois arrivé. Oh, on va aller prendre un petit truc au moins. Tu veux manger? Il y a un Starbucks quoi. T'es pâle là. Je suis pâle? Ouais. Ça y est. Toujours depuis tout à l'heure, je ne parle pas. Elle parle pas même du tout. Depuis ce matin, je parle pas. Hein. On n'a pas trop discuté. Hein. Hier, il est 4h du matin, j'arrive pas à dormir. Dors! Je te jure, c'est horrible. Mais comme je disais, je pense que comme je réfléchis trop et je suis contente, et ben c'est ça qui a fait que j'arrivais pas à dormir. Mais tu sais, après j'ai dormi un petit peu. Hein. C'est vrai? Ouais. Là par contre, tu parles beaucoup. T'es méchant! Tout à l'heure, tu parlais pas. Là, tu parles beaucoup. Il faut entre les deux, pas trop parler. Mais d'ailleurs, je suis en train de lire vos commentaires là et j'irai. Tu peux nous en lire un? Alors, coucou Imane, pour le produit pour le sol, j'ai celui d'action et quand je le sens directement, j'aime pas, mais une fois mélangé à de l'eau et que je passe la serpillière, je kiffe trop ça, embaume l'appartement. Voilà. Bon, finalement, ouais. Comme tu dis, on va faire un petit encas là, donc des fruits. J'ai envie de pommes, j'ai envie d'un truc frais et sandwich au thon et on a pris des chips. Et une bouteille d'eau et là on attend que ça se vide un petit peu parce qu'il y a du monde, donc on va manger tranquillement en attendant. Chaque voyage, on prend tout le temps une location de voiture. Donc là, vu qu'il est presque 20h, on a tout réservé ensemble. En fait, on a réservé les billets d'avion, l'hôtel et la voiture. Mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un. On a l'impression qu'il n'y a personne. On fait le tour ? Ils sont là ? D'accord, ok. Ayoub, attends-moi ! Oui, donc je vous disais, on a pris une location de voiture. Mais là, on ne sait pas si c'est encore ouvert. On a vu que certaines agences de location étaient ouvertes. Nous, on a réservé avec Sharefly. Il fait 34 degrés. Il est presque 20h. Il fait lourd. En plus, moi, j'ai super chaud avec mon legging là. Bon, cool. Bonne nouvelle. On a la voiture. Donc là, on est juste en train de la chercher. Il me dit que la plaque d'immatriculation, c'est KMK. Ah, c'est celle-ci. Voilà, c'est une petite Fiat 500, toute mignonne. Elle est toute blanche. Donc on va faire un petit tour pour vérifier si tout va bien au niveau de la voiture. Je vous conseille de faire ça, même prendre des photos, une petite vidéo, comme ça au moins vous n'avez pas de surprise à l'arrivée. Elle est trop jolie à l'intérieur. T'as vu à l'intérieur? Elle est trop belle. Regardez. Trop stylée. Franchement, elle est juste super jolie. Elle est grave mignonne et petit rituel à chaque fois qu'on part en vacances. J'appelle ma mère sur WhatsApp. Coucou maman. Alors on la voit pas très bien. Ah c'est bon, on la voit là. Ça va? Ça va et toi?
Oui, ça va. Oui, alors pour donner une petite information, je vais vous donner un indice. On est où, Ayoub? En Espagne. Où ça? Valencia. Voilà, on est dans le sud de l'Espagne. Et le deuxième indice, je vous le dévoilerai dans une prochaine vidéo parce que bah, sinon ça fait trop d'un coup. Donc je vous montrerai ça et je vous en parlerai un peu plus précisément dans le prochain vlog. Et puis là on va partir à l'hôtel, on est à exactement 7 minutes de l'aéroport, donc ça c'est trop bien. Et puis bah écoutez, voilà, on va y aller tranquillement et je vous retrouve un petit peu plus tard. A tout de suite. Casque Ayoub, là c'est le casque de chez Studio. Tu l'aimes beaucoup celui-ci? Oh, c'est une frappe, tous leurs produits c'est une frappe. Ouais, franchement ils sont vraiment bien. Ça y est, on est arrivé. Par contre ils ont dit qu'il n'y avait pas de wifi. Mais non, mais en panne. T'es pas sérieux? Là je rigole. J'avais été sûre, elles sont trop nulles tes blagues. C'est quelle chambre? 405. 405, 406, je suis derrière toi. Derrière moi, juste ici, hop, 405. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, c'est juste pour 3 jours, hein. On reste pas très longtemps. Ça sent bon en tout cas. Oh, c'est grand, hein. C'est plus grand que dans le sud quand on était parti. Ah oui, c'est vraiment spacieux, c'est bien. Bah écoutez, un lit pour dormir, voilà. Une chaise pour travailler. Pousse tout là, hop. Ça sent bon, c'est agréable. Oh, c'est rigolo ça. Ah, coucou. Bah écoutez, toilette, lavabo et une douche. Voilà. Bon, c'est mignon, c'est très très bien. C'est bien, Ayoub? Elle est où notre voiture? Elle est là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va se poser un petit peu. Ah, tu veux direct sortir manger? Bon, on va regarder sur internet ce qu'il y a dans le coin. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, mettre mon téléphone à charger parce que j'ai plus du tout de batterie. Ce serait bien qu'on aille manger McDo, non? Ouais, ce serait cool. Tu veux un McDo? Ouais, McDo et une pizza. Ouais. Bon, on va voir ça. Je vous reprends avec mon téléphone parce que j'ai oublié la caméra à la maison. Donc là, on est sorti pour aller manger et on est dans un endroit super mignon. Je vais essayer de vous faire quelques petites prises. Il y a plein de trucs pour manger. T'aimes bien, Ayoub? C'est trop mignon. J'adore. Moi aussi, j'aime trop. En plus, il c'est fait super bon. Joli. Ouais, il fait bon. Tout ça, ça fait vacances. Voilà, ça fait vacances. Ouais. Bon, on voulait partir manger au KFC parce qu'on a vu qu'il y avait un KFC. Mais on sait pas encore parce qu'il y a tellement de restaurants qui nous donnent tellement envie. Les cartes, elles ont l'air hyper intéressantes, mais je sais pas. On fait un petit tour et après, on voit ce qu'on prend. Voilà. Exactement minuit. Je voulais me poser, j'ai comme, vous savez quoi, je vais m'asseoir, ça va être beaucoup plus simple. Je viens de terminer de faire le montage de la vidéo, juste à l'instant il ne manquera plus qu'à rajouter ce petit rush là et je voulais juste vous dire un petit mot. Vous savez, si par exemple vous voulez faire une location de voiture, je vous conseille réellement au moment en fait où vous faites l'achat de votre billet, si vous souhaitez bien sûr prendre une voiture dans l'endroit où vous partez, c'est de le faire directement quand vous faites l'achat du billet. Pour trois raisons en fait. La première, c'est que c'est beaucoup plus simple. La deuxième, c'est que c'est
c'est beaucoup moins cher. Et la troisième, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Nous, tout à l'heure, en moins de 5 minutes, on avait les clés, on avait tout signé, etc. Alors que c'est vrai que je vous dis ça parce qu'on a fait quand même la comparaison entre prendre, là, comme on a fait, c'est-à-dire le billet plus la location de voiture, et prendre le billet et venir sur place à l'aéroport et prendre une voiture. À chaque fois, on en a facile pour 1h30, 1h. Minimum pour qu'ils nous passent les papiers, comparer les prix, bref c'est toujours un petit peu long, alors que là en 5 minutes, tac, tenez, voilà, la réservation était faite au préalable, donc c'est hyper rapide. J'espère que cette information elle pourra en servir à certaines, et puis bah écoutez, c'est tout, demain, bah tout se passe demain en fait, tout simplement. Donc restez connectés parce que en soi vous savez maintenant qu'on est en Espagne, mais comme je vous ai dit sur Snap, vous savez pas pourquoi on est en Espagne, et demain je vous le dirai. En attendant, j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas, comme d'hab, le pouce, le commentaire, et voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.